Les fossiles font partie des piliers de la saga Pokémon, des éléments qui ne payent pas de mine de prime abord, mais dont l'absence se fait pointer du doigt si tant est que la génération en question ait choisi de faire l'impasse dessus. Déjà dans la toute première génération, il était possible de trouver ces bouts d'ossements préhistoriques pendant l'aventure. Bien sûr, leur rôle n'était pas de faire joli dans un musée, hein, il était au contraire possible de les emmener auprès de scientifiques pour qu'ils les examinent et leur redonnent vie. Oui, ne me demandez pas pourquoi, c'est Jurassic Park mais en mieux. Et en super rapide aussi, hein, parce que le fossile devenait Pokémon en moins de temps qu'il ne le faut pour attendre un train en retard. Quoi que vous me direz, certaines personnes ont dû se fossiliser de la sorte, hein. Ouais, je crois bien. Avant la 8ème génération, chacune d'entre elles a apporté ses nouveaux Pokémon fossiles. Enfin, toutes sauf la 2ème et la 7ème, qui étaient grossièrement guère plus que des extensions de la 1ère et de la 6ème. Ouais, ok, je force peut-être un peu le trait, hein, je vous l'accorde. Leur point commun, c'est de tous avoir le type roche. Ça s'explique tout simplement parce que des fossiles, de base, bah, c'est des restes conservés dans des roches sédimentaires. Et on aime bien les accompagner de types que je qualifierais de froids, comme l'eau, l'acier, le dragon ou la glace. En stratégie, il y a à boire et à manger, mais surtout du jus de pied. La faute principalement à ce type roche qui a des faiblesses très communes et à des conceptions pas forcément folles. Terra était intéressant grâce à sa méga évolution, Kabutops bon sous la pluie, Ammonistar... Même pas la peine de rajouter. Alors que la 8ème génération est là, la question des fossiles se pose de nouveau. Et surtout, comment s'obtiennent-ils et poursuivent-ils la tradition des Pokémon roches plutôt moyens? C'est encore une mission pour le professeur Lapin. Pokémon Épée et Bouclier ont apporté de nouveaux Pokémon fossiles, mais d'emblée ils fonctionnent différemment. Au lieu de chercher son fossile et de le ramener tranquillement chez le scientifique pour avoir son petit Pokémon, bah il va falloir cravacher un petit peu plus. En effet, en Galar, vous ne trouverez que des moitiés de fossiles. Mais la particularité, c'est que vous pourrez jouer à l'apprenti Dr. Frankenstein en combinant deux demi-fossiles parmi les quatre existants, avec pour résultat de proposer plusieurs Pokémon différents. Les objets en question s'appellent fossiles aileron, fossiles oiseau, fossiles poisson et fossiles dragon. Le fossile oiseau correspond à une partie supérieure de corps de type électrique. Le fossile poisson correspond à une partie supérieure de type eau. Le fossile aileron correspond à une partie inférieure de type glace. Le fossile dragon correspond à une partie inférieure de type dragon. Chose amusante, la partie supérieure détermine aussi les statistiques de base de points de vie, attaque et défense, tandis que la partie inférieure gère l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse. On notera donc que statistiquement, la partie inférieure dragon est plus spécialisée que la glace en apportant plus de vitesse pour moins d'attaque spéciale et que la partie supérieure électrique est celle qui permet le plus de dégâts physiques tout en étant un tout petit peu moins solide. On peut aussi remarquer une chose, bah c'est que le type roche a disparu. Pour la première fois en 23 ans, les Pokémon issus de fossiles ne sont pas de type roche. C'est pas une info absolument indispensable, mais je me disais que ça pouvait être utile d'en parler. Et donc, avec tout ça, vous avez accès à 4 combinaisons différentes pour donner des Pokémon avec des doubles types assez cool, mais surtout des visuels très approximatifs. Mais le plus important d'abord, c'est de savoir où trouver les moitiés et comment les composer. Tout d'abord, dans Épée et Bouclier, vous ne trouverez pas d'équipe scientifique dans un labo super perfectionné. Non, non, seulement une chercheuse nommée Alba Mince Alors. Alba Mince Alors ! En principe, vous l'avez rencontrée pendant l'aventure, elle se trouve juste avant la ville de Old Chester, qui, rappelons-le, propose une arène soit de type combat, soit de type spectre selon votre version. Et d'ailleurs, vous trouverez vos toutes premières parties de fossiles juste à côté via une petite lumière qui brille au sol. Il s'agira de deux fossiles aileron pour les versions épée et deux fossiles dragon pour les versions bouclier. Et chanceux que vous êtes, vous trouverez de quoi compléter votre premier Pokémon pas plus loin que le centre Pokémon de la ville avec deux fossiles oiseau pour les versions épée et deux fossiles dragon pour les versions bouclier. Et là, je crois que vous voyez où ça va nous mener. Chaque version a ses deux moitiés de prédilection, et sans être unique à l'une ou à l'autre, il sera très rare et compliqué de tomber sur celle que vous n'avez pas trouvée autour de Old Chester. Parce que oui, il y a moyen de trouver plein d'autres moitiés de fossiles. Il vous suffit d'aller dans les terres sauvages à l'endroit indiqué sur la carte et de parler à l'un des deux True Brothers. Oui. Hein, ouais. Il creusera pour vous et trouvera plein d'objets sympas comme des pierres d'évolution ou des moitiés de fossiles contre 500 watts la session. Et pour obtenir des watts, il vous suffit d'aller voir les antres à Red Dynamax et ce, même sans y participer. Et si la somme paraît énorme, n'hésitez pas à revenir après être devenu maître de Galar, vous en obtiendrez beaucoup plus. Chaque essai vous rapportera plusieurs objets en sachant que l'archéologue de gauche va trouver des objets plus rares mais en moins grande quantité, tandis que celui de droite va vous en rapporter beaucoup plus mais de qualité un petit peu plus commune. Et bien avec ma version épée, après avoir dépensé plus de 1500 watts, j'ai eu 13 fossiles oiseaux, 12 fossiles ailerons, le tout pour un tout petit fossile poisson et 0 dragon. Autant vous dire que la meilleure solution est de les échanger avec quelqu'un qui a l'autre version en les attachant à des Pokémon.
Une fois que vous avez au moins deux fossiles compatibles en poche, retournez voir Alba Mincealor afin de les rassembler. Vous recevrez les Pokémon au niveau 10 et il est à noter que leur nature est aléatoire, tout comme leur talent au hasard parmi deux, à savoir que les fossiles disposent d'un talent caché qui n'est pas encore disponible, et truc très intéressant, ils ont au minimum 3 IV garantis à 31. Je vais essayer de les analyser, mais il s'agit d'un regard purement théorique de début de génération et donc les choses peuvent évoluer. La première combinaison avec Oiseau, type électrique, et Aileron, type glace, donne naissance à Galvagla, et c'est le Pokémon que vous obtiendrez en assemblant les morceaux directement disponibles sur Pokémon Épée. J'ai changé le fond pour faire apparaître les statistiques de base plutôt que les stats niveau 10 modulo IV, donc ne paniquez pas, vous n'aurez pas la même chose à l'écran. Il s'agit d'un Pokémon de la famille des Morvax, qui, comme son cousin Polarume, montre une magnifique ruche qui fait du saut à l'élastique depuis son nez, le tout enfermé dans un gros bloc de glace. Il a un double type très rare et relativement solide, enfin si on peut parler de solidité avec le type glace, hein. Il a accès au très bon talent Absorb Volt pour une immunité électrique ainsi que statique pour pénaliser ses assaillants. Niveau statistique, on est sur quelque chose de relativement solide et lent. Il dispose d'une nouvelle attaque signature appelée Prise de Bec. Cette attaque à 85 de puissance voit ses dégâts doubler si le Pokémon attaque en premier. Je ferais volontiers un parallèle avec Tarambule qui voit ses dégâts hauts doubler grâce à son talent Aquabulle, incurable talent numéro 13. Il dispose d'une base d'attaque de 70 et d'aquabrèche à 85 de puissance, tout comme Prise de Bec d'ailleurs, et vous n'êtes pas sans savoir les dégâts monstrueux que ça fait. Donc comme ça, je le vois bien en Pokémon offensif lent sous distorsion. Avec une nature brave qui baisse la vitesse augmente l'attaque, et pourquoi pas un chariot distordu, il attaquera avant la plupart de ses adversaires et infligera de très lourds dégâts. La seconde combinaison concerne les fossiles poissons, type eau et dragon, comme son nom l'indique, hein, et permet de créer Hydragon. C'est ce Pokémon que vous obtiendrez en utilisant que les fossiles trouvés autour de Holchester dans Pokémon Bouclier. Bon, on est sur quelque chose de visuellement approximatif avec une sorte de corps de dragon à la queue coupée avec une grosse tête de poisson. Mais après tout, le physique ne fait pas tout, hein, c'est bien connu. Son double type est assez intéressant, même s'il est moins bon depuis l'apparition du type fée et surtout de l'attaque lyophilisation qui généralement viendra le mettre au tapis en un coup. Il dispose des talents Absorb Eau et Prognat. Il a accès à une immunité un peu à la manière de son collègue, mais surtout à une approche plus offensive. Et pour le coup, son attaque Branchicroc, qui a la même puissance et le même effet que Prise de Bec sauf qu'elle est de type Eau, est une attaque de morsure, ce qui la rend compatible avec le bonus de dégâts de Prognat de 50%. Alors certes, 75 en vitesse c'est pas exceptionnel, mais il pose une sérieuse option pour venir déboulonner les tanks les plus lents. La combinaison des fossiles poissons type eau et aileron type glace donne forme à Hydragla, un Pokémon affreux, on va pas se mentir. Affreux dans plusieurs sens. Déjà visuellement, on a une espèce de poisson avec une tête en forme de casque de réalité virtuelle et une sorte de corps de poisson assez improbable. Ensuite, il hérite d'un double type eau-glace pas spécialement intéressant, et des talents absorbe-eau et corps-gel qui font pâle figure comparé à ses petits camarades. Et enfin, il demande de dépenser beaucoup de watts ou de passer à la cage échange pour être activé. Tout compte fait, ce Pokémon est quand même celui qui hérite des deux moins bonnes moitiés de fossiles, moins de dégâts physiques et moins de vitesse. Donc pour lui, je suis pas super optimiste, même si j'espère me tromper. La dernière combinaison avec les fossiles oiseaux, type électrique et dragon, nommé Galvagon, est sans doute celle qui fait le plus rêver. Déjà, visuellement, on n'est pas si mal si on met de côté l'aspect méca tyrannosaure piloté par un dindon, hein. Mais ensuite, il bénéficie de ce que sont sans doute les deux meilleures moitiés d'un point de vue purement statistique. Il a les 100 en attaque et les 75 en vitesse. Mais lui, en bonus, son talent Absorb Volt est accompagné de l'excellente agitation, qui augmente son attaque de 50% au prix d'une perte de précision. Pour sûr, il enverra d'énormes pralines avec Prise de qui lui permet notamment de vaincre Noissier en seulement deux coups. Mais dans l'absolu, que ce soit les fossiles oiseaux ou poissons, ils ont des attaques signatures très intéressantes sur le papier qui peuvent s'avérer dévastatrices si bien utilisées, surtout si on a la bonne idée de les coupler avec un champ électrifié ou une pluie battante. Les fossiles de Pokémon épée et bouclier ont un fonctionnement unique dans toute la saga. À chaque demi-fossile correspond une moitié de corps affiliée à un type et celle-ci définit également la moitié des statistiques de base du Pokémon. Leur look est assez particulier, on a un petit peu l'impression de jouer à Impossible Creatures. C'est un petit jeu de strat qui a déjà une paire d'années, mais on peut vraiment obtenir des bestioles hilarantes là-dedans. Le truc amusant, c'est que ces compositions au look très marqué sont une référence à une période où les paléontologues britanniques avaient tendance à essayer d'assembler à tout prix les fossiles trouvés, donnant des résultats parfois sans queue ni tête, si je puis me permettre. C'est encore plus flagrant avec Hydragla qui a sa tête mal placée avec sa mâchoire en haut de celle-ci. Et d'ailleurs, en regardant la description des fossiles, on peut très clairement deviner que les Pokémon préhistoriques d'origine devaient avoir une toute autre tête et une apparence bien mieux uniformisée. Qui sait ?
Peut-être trouvera-t-on de nouveaux morceaux assemblés dans des générations futures ? Maintenant, on ignore si ces Pokémon vont avoir un réel potentiel en stratégie. Ils ne font pas vraiment partie des têtes les plus vues en ce début de génération, mais la seule chose dont on peut être absolument certain, c'est qu'il y a un énorme potentiel de cassage de mâchoires. Est-ce que ce sera suffisant pour compenser des statistiques assez moyennes dans l'ensemble et des apparences qui donnent pas toujours envie ? Ça, c'est à vous de me le dire, cher petit lapin !